quand il y avait la séparation, ben nous on n'arrive pas à parler à nos cousins, à ceux qui sont dans notre église aussi, on parle, c'est pas ça. Il m'a dit comme ça, Jean-David, il y a quand même quelque chose aussi entre les enfants qui ne vont pas bien, des choses qui ne vont pas bien. Donc le pardon qu'il y avait eu là-haut, ça a mis, c'est une grande bénédiction pour nous. Le Seigneur nous a vraiment bénis, nous, c'est-à-dire les pasteurs, leurs enfants. Maintenant, les enfants sont libres de parler ensemble, sont libres de se côtoyer. Et ça, c'est. On dit merci aux prières, de l'Église, prières de chacun. C'est vrai que les temps où nous sommes séparés, c'est quand même lourd. C'est difficile. Même nos pasteurs ici ne peuvent pas aller en France pour parler. Ça nous touche quand on écoute tout ça. Et maintenant, il y a cette relation ensemble, formant une seule église, la paix revient, on a une bonne relation avec notre Seigneur. Même nos enfants aussi sont libres d'aller vers les autres jeunes. C'est vraiment formidable ce que le Seigneur l'a fait. C'est vrai que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses plans ne sont pas nos plans. Le Seigneur, il fait bien des choses. Et merci beaucoup pour vos prières, l'Église. Nos pasteurs, merci pour vos prières. C'est grâce à la prière de chacun que ce jour s'est passé. Nous avons même vu des personnes que nous n'avons pas vues même avant notre séparation. Il y a des personnes qui ne viennent plus à la prière, on ne les voit plus, mais sont revenues aussi pendant la réconciliation. Le Seigneur, il fait bien les choses. On est content de revoir nos petits-enfants, de rond des oliviers. Ils ont grandi, ces enfants qui allaient à l'école du monde, qui fréquentaient l'église, et maintenant sont devenus des jeunes. Il y a d'autres qui ont été à l'animation ici avec nous, ici à Rivière-Salée, et sont contents de nous revoir, les enfants de Monique. Et c'est merveilleux de se retrouver. J'ai vu pendant le... quand on était en bas dans la salle, les tantines qui n'arrêtaient pas de chanter, elles montrent vraiment leur joie. Elles chantent sans arrêt. La femme Indéra, les tantines royaux, là, elles sont heureuses. Les mamans qui dansaient, ah, là c'est...